moi je suis Frédéric Lecomte, hein, je suis déléguée générale mécénat pour l'ONF et directrice du fonds ONF Agir pour la forêt. Et donc je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à toute votre équipe donc en forêt domaniale de Saint-Germain, qui est une ancienne forêt royale emblématique de l'Ouest parisien. Alors Konica Minolta est un ancien mécène de l'ONF via sa fondation, qui avait soutenu de très beaux projets d'accueil pour tous, donc accueil des personnes à mobilité réduite dans des milieux naturels assez remarquables. Donc on a été très heureux de vous voir nous recontacter via l'entreprise cette fois-ci pour soutenir ce projet sur l'étang du Cora. Voilà, donc merci beaucoup au nom du fonds et de l'ONF à Konica pour son soutien. Et puis, sachez que s'engager à nos côtés, c'est aussi agir pour demain et pour les générations à venir. Donc merci beaucoup à vous. Merci Frédéric. Merci. Juste un petit mot, effectivement, merci à vous pour cette mise en contexte. Et je tenais à remercier également les collaborateurs et notamment les ambassadeurs qui sont présents aujourd'hui, Konica Minolta, pour le lancement de ce projet, de ce partenariat avec l'ONF. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, le projet a été choisi par les ambassadeurs, parmi trois projets que nous ont proposé l'ONF. Donc c'est un peu comme ça qu'on a aussi initié toute notre démarche de soutien de l'ONF et aussi notre démarche avec les ambassadeurs. Le réseau d'ambassadeurs, on l'a initié début janvier et ça a été l'un des premiers projets qui a été initié et choisi. Et donc l'idée, un de ces endroits-là, ce sera d'installer, donc en complément des îlots qui existent, des radeaux flottants de quelques mètres, donc ce sont vraiment des choses qui sont au ras de l'eau, sur des structures très très légères, et comme ça on voit juste ce qui dépasse, on voit juste la végétation qui est installée dessus, donc qui est de la végétation. L'étang du Cora a plusieurs îles au milieu, et puis des îlots donc ici, et là une petite avancée, une presqu'île si on veut, et donc tout ça, toute cette diversité de structures de berges, ça fait partie effectivement de ce qui amène de la biodiversité sur le site. Bon, ben on va procéder à la signature. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Elle est très douce.